Salut tout le monde et bienvenue dans Fraîche, l'émission où Mario lit des BD avec un éléphant volant. Comment ça, vous ne me croyez pas? Ben, on envoie le menu. Dans Fraîche Ciné, bah oui, le film Dumbo arrive au cinéma. Dans Fraîche Game, Mario revient dans un jeu rempli de nouveautés. Dans Fraîche Lecture, on retrouve deux BD qui vous aident si vous vous faites embêter à l'école ou sur internet, c'est à ne pas manquer. Et dans Fraîche Bonus, on a joué au foot avec... Mais oui, avec Kylian Mbappé! On vous montre ça dans un instant! Votre hibou n'est plus aussi rapide qu'avant! Et il a mal à ses petites papates et à ses ailes? Eh ben nous, on a la solution! Et voilà, le tour est joué! C'est une chouette invention! Allez, Fraîche, c'est parti! Regardez! Ouvrez grand vos oreilles, l'éléphanteau volant le plus connu de la planète, qui a émerveillé jusqu'à vos arrière-grands-parents, sort désormais en film. Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. A de très grandes oreilles et elles sont magiques. Grâce à elles, il peut voler. Un don qui va intéresser d'affreux personnages qui vont vouloir l'exploiter. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. De mystère. De magie. Wow! Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Mais sa famille de cœur qui l'aime va s'unir pour voler au secours du gentil Dumbo. Un film émouvant, drôle, rempli d'amour et de magie. Un peu de patience, Dumbo sort au cinéma en mars. Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Le New Super Mario Bros. Deluxe est sorti et il est canon. Le jeu se démarque avec un total de 164 niveaux à parcourir avec la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs. Cette fois-ci, vous pourrez jouer avec tous les personnages de l'univers Mario, mais aussi avec deux nouveaux, Carotin et Toadette. Et vous allez pouvoir combattre des boss super costauds. Alors, pour jouer entre amis ou en famille dans la bonne humeur, c'est avec le tout nouveau Mario qui est dispo depuis le 11 janvier. Fraîche Note, on a décidé de vous présenter dans Fraîche deux BD qui parlent d'un sujet commun dans deux environnements différents, du harcèlement sur internet et à l'école. Alors le harcèlement, c'est quoi? C'est lorsqu'on se fait embêter par une ou plusieurs personnes sur son apparence ou sur ce qu'on est. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi on est embêté. Et tout ceci est très grave parce que ça rend vraiment triste la personne qui subit les remarques de ses camarades. Les deux BD l'expliquent très bien et aident à agir si vous êtes victime de harcèlement, mais peut aussi faire prendre conscience aux personnes qui embêtent les autres que ce n'est pas drôle du tout. Alors, on ne cessera jamais de le répéter, mais déjà, si vous faites embêter à l'école les Fraîches Notes et les Fraîches Nettes, il faut en parler à des adultes. Ne surtout pas garder ça pour soi. Un professeur, un parent, de la famille ou même moi, vous ne devez surtout pas avoir peur de dire la vérité parce que vous, bah vous n'y êtes absolument pour rien. Alors vous allez découvrir ces deux BD très intelligentes et intéressantes. Seul à la récré et le blog de Charlotte sont disponibles partout. Les Fraîches Notes, on a eu la chance et l'honneur de rencontrer le grand Kylian Mbappé qui a fait une surprise à ses fans. Pendant une journée exceptionnelle, le génie du ballon rond est parti jouer au foot, bien sûr, mais sur console. Sourire, joie et amour du football et des jeux ont rythmé notre journée. Allez, on retrouve Kylian et ses fans qui jouent à FIFA 2019, le tout devant une foule en délire. J'ai été un privilégié de rencontrer pas mal de joueurs lorsque j'ai été jeune et c'est la première idée qui m'est venue lorsque j'ai décidé de créer cet événement. C'était avant tout de pouvoir rencontrer plein d'enfants et qu'ils aient l'opportunité de me rencontrer. Et on est ravis de te voir, Kylian. Mais attendez, je crois qu'il y a même des petits Fraîches Notes qui ont réussi à le battre.
tout cas, bravo les amis, ça a été une journée riche en émotions comme on aime. Alors on te fait surtout de gros bisous, Kylian. Ah non, Fresh, c'est déjà fini. On vous souhaite une belle semaine, les Fresh Notes, et on vous dit à la prochaine. Ciao. En exclusivité sur Canal et Numéricable,